Après une pause de plus de 1 an, il revient avec Stop. On arrête avec l'intropique, on passe tout de suite au tuto numéro 2, comment faire des bottes de mouchoirs. La suite, bien évidemment. Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que dans cette vidéo, j'ai caché un indice. En fait, à chaque vidéo, j'ai caché un indice dans la vidéo pour vous dire ce que sera le prochain tuto. Donc un indice vraiment pas facile à trouver et qui va pas donner beaucoup de renseignements, mais il va en donner un en particulier. Donc si vous le trouvez, mettez-le en commentaire, dites-le moi et puis voilà. Donc c'est parti. Pour ce tuto, il vous faudra les bottes de mouchoir qu'on avait précédemment collées dans le tuto numéro 2, ou la partie 1 si vous préférez, un cutter, des tubes de peinture, un petit pinceau, un pinceau qui roule, et de l'eau. Et aussi des couvercles de pots de confiture, ou en tout cas un récipient où on peut mettre de la peinture. Pour commencer, on va peindre la boîte. Donc pour cela, il va falloir mettre de la peinture dans les couvercles de pots de confiture. Pour l'instant, on va commencer avec la peinture rouge. Afin que la peinture s'étale mieux sur le carton des bottes de mouchoir, il va falloir mettre de l'eau dans la boîte et après on mélange. Et voilà. Donc, pour ne pas peindre sur les autres carrés, donc je vais peindre celui-là. Voilà. Lui. Et donc j'ai mis du scotch là pour pas déborder sur les autres cartons, comme ça les salira pas, et après on enlèvera le scotch et puis voilà, et ça sera bon. Donc c'est parti. Alors évidemment, faut attendre que ça sèche quand on a fait ça, parce qu'il va falloir passer plusieurs couches, et j'en ai mis partout de la peinture. Vraiment, c'est un calvaire. Donc en fait, ça sèche plus vite que je le pensais. Hein. Par contre, ici, j'ai un peu débordé, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, c'est très léger, ça ne durera pas trop. Donc, maintenant, on va passer à ce côté, on va repasser une couche. Donc voilà, la deuxième couche est passée. Voilà, donc maintenant, on va le faire sécher. On est reparti pour peindre. Donc là, c'est en train de sécher. Du coup, on va préparer la peinture bleue. Du coup, en fait, au lieu de le mettre là-dedans, je le mets directement sur les boîtes. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Et voilà, il est tout propre. Bon, là, on dirait pas que c'est rouge, mais c'est bien rouge, hein, moi je vous le dis. On voit moins bien qu'à la caméra. Mais bon, maintenant on va enlever les scotch et on va voir un truc magique. Regardez-moi ça. C'est une bonne. Hop là. Donc là où il y a de la peinture, c'est là où je me suis un peu loupé, mais c'est vraiment rien. Donc je vais continuer à les enlever et puis voilà. Donc voilà, là j'ai enlevé tous les scotch, donc on va pas mettre de scotch là. Du coup, il va falloir faire attention parce que si on met du scotch là, ça risque d'enlever la peinture. Donc on va mettre du bleu maintenant. Alors on a un petit problème, ça veut pas s'ouvrir. Non, il faut pas que je fasse ça, mais ça me démonte les doigts, c'est vraiment horrible. Regardez mes doigts là, je sais pas, non, on voit pas très bien, mais ça fait super mal. Bon, j'ai trouvé un autre tube. Et lui, il est tout neuf, voilà, il s'ouvre super facilement, donc on va utiliser lui. Bon, oula, j'ai tout mis en bleu et bon, il reste en dessous, mais là, on a bientôt fini. Ça m'a l'air d'être bon, maintenant on va faire ça. La peinture bleue a avancé, sauf que avec un peu, avec l'eau et tout, que je mets un tout petit peu d'eau dans la peinture quand même, pour que ça se dilue mieux, et ben, le carton il est devenu un peu mou, du coup il faut faire attention là, mais bon. Pour l'instant, je gère. Et là, on a bientôt terminé et on va bientôt faire la deuxième partie. Allez, on a bientôt terminé. On passera à l'étape suivante après. Ok, c'est bon. C'est prêt. C'est sec. Maintenant, on va faire des carrés, des petites portes.
Bon, on a terminé. Hop. Hop. Et hop, voilà. C'est terminé. Je vais agrandir un peu l'angle de vue. Voilà, maintenant vous avez vos étagères en boîte de mouchoir. Vous pouvez mettre des trucs dedans. Donc, ça, ça, ça. Voilà, ne rentrez pas en haut, ça, c'est très pratique. Hop, bon, ça c'est un peu grand, mais bon, ça rentre. Un skate Playmobil. Voilà. Une oreille, ça rentre pas. Une gomme, voilà, une gomme. Un tube de colle. Un mouchoir. Voilà. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Et voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Du coup, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ou un gros pinceau bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous avez envie. Et mettre des commentaires sur vos avis. Si vous avez trouvé le petit indice pour la prochaine vidéo. Donc moi, je suis très content du résultat. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et ciao !